Emilia, Alain, essayons avec une blague. Qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend? Un petit point dans un ascenseur. Ouais. Alors, toujours pas. C'est embêtant quand même, parce qu'on est médiateur au Musée de l'Homme et on présente une exposition sur le rire. Ça va être compliqué pour présenter le travail des chercheurs, surtout pour redonner le sourire à Emilia. J'ai une idée. Allons faire un tour dans l'exposition. Très bonne idée. C'est bizarre quand même parce que on rigole 18 fois par jour selon les chercheurs. On rigole quotidiennement. C'est vrai. En plus, le rire, ça réduit l'anxiété, l'angoisse. Et aussi, tous les êtres humains ont la faculté de rire. C'est universel. Et contagieux. D'ailleurs, j'ai une idée. On va faire l'expérience du fou rire. Tiens, écoute ce célèbre rire enregistré dans les années 20. Appuie-la. Alors, ça vient ? Non. C'est étonnant quand même, parce que dans le cerveau, on a des neurones qui s'activent quand l'autre rit. C'est pour ça qu'on les appelle les neurones miroirs. C'est pas gagné alors. Bon, allons voir ce qui se passe dans le cerveau. On aura peut-être plus de chance. Allons.